Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dark Souls Scourge the First Sin. Oui. Alors, je suis allé regarder mon build, c'est bon, j'ai mon build, il n'y aura plus qu'à mettre les stats. Par contre, je ne sais même plus quelles sont mes priorités. Priorités sont certainement pas crevées comme une grosse merde comme ça. Il est chaud sauté. Ha! Monsieur Brouillet. Je voulais te backstab, salaud. Cool, une épée courte. Pourquoi pas? Oh, 7-10, c'est bon, je peux utiliser à deux mains. Ok, peut-être que j'avais meilleur temps de. Attends. Je crois que j'ai meilleur temps d'utiliser juste la dague. Impossible d'utiliser le feu. Mais. Hein? Tu m'énerves! Non! Pas tout de suite, la mort, please. Non, je vais utiliser l'épée droite brisée. Voilà, ça, les stats, elles sont bonnes. Donc ça, on est bon. Mais oui, cette attaque d'herbe, elle est tellement chiante. Monte, merci. Loupé, menteur. Genre t'es pas mort. Allez viens toi là. Viens te battre avec moi. Aïe, ça c'était ma nuque. Aïe, ça c'était mon autre nuque. Je te calme tout de suite. Alors on va pas être copains. Pourquoi le backstab avec cette épée il est moins puissant que backstab avec la dague. Je puisse pas. En fait, la dague, elle est faite pour le backstab. Donc, du coup. Ils n'ont clairement pas les stats, hein. Peut-être faire un truc, c'est que je vais m'équiper de la dague. Ne pas lâcher l'échelle quand on est dessus, c'est une bonne chose à faire.
Ensuite, je prends mes âmes. Je fais le saut. Je me suis bien fail. J'arrive même plus à faire ce fucking saut. On va se barrer. On va se barrer. On va aller voir pour mettre des points de stats. Si ça se trouve, on pourra utiliser l'épée courte. Ce sera déjà bien en attendant. Alors, voyager. Majula. Bonjour madame, tu veux lever la fenêtre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah ouais, j'ai rien. J'ai pas de points là. Waouh. Salut à vous, bande de carcasses. Salut, Macassis. Je ne te connais pas. Best. Eh, Macassi, si ça t'intéresse, je fais un giveaway. N'hésite pas à suivre la chaîne et du coup à participer. Oui. Bon, j'ai pas encore les stats tout à fait requises pour faire ce que je veux faire. Mais ça va venir, ça va venir. Une grosse monnaie. Ah! Patouille. First run? Non, je l'ai déjà fait plusieurs fois le jeu, mais là je le refais au complet en fait. PS, je ne speedrun jamais les jeux parfaits. Je sais pas pourquoi je ne vise plus maintenant dans le jeu. Enfin, j'ai dû choper l'habitude avec Dark Souls 1 de plus viser. Bon, ça c'est vrai que quand tu vises plus, c'est plus facile de backstab. Aïe! Plein dans le cœur, salaud. Tu voulais ma mort, c'est ça? Pas Noël dans ta gueule. Il est pas content le Père Noël. Bam. En fait, si je peux faire ça avec tous, parfait. Oups, loupé. C'est pas comme s'il y avait vraiment besoin de tous les backstab en fait. Ils sont largement easy. C'est tellement plus jouissif le backstab en fait. Les attaques rapides pour le futur, l'avenir, le passé, le présent. Pardon, j'y fais. Loupé. Loupé. Alors là, ça aurait tellement pas dû le toucher.
Mais ça a touché, donc je vais pas me plaindre. Hein. Easy. Bon bah je les ai tous tués. Ah non, lui, je l'ai pas tué. Voilà. Bon, comment je vais faire pour réussir à faire ce saut, moi, un jour? Il descend? Non, il descend pas. Allez. En principe, c'est comme ça qu'il faut le faire. Hop. Non, pas comme ça, en fait. J'y arrivais toujours, maintenant, j'arrive plus à faire le saut. Je sais pas pourquoi. Bah voilà, on l'a réussi. C'est pourquoi déjà? Ah oui, de la merde. C'est tellement longtemps que j'ai pu rejouer à Scholar of the First Sin. Tellement longtemps. Est-ce que je monte pour tuer le mec au-dessus? Non, non, y a pas besoin. Ils sont très bien tout seuls en haut, pas besoin de moi pour les tuer. Le gangbang. Moi je me casse, hein. Je vous emmerde. C'est mieux avec une épée en fait pour cette salle. Parce que c'est ma petite dague à la con là. Un peu la dague de l'inutilité. Voilà. GG easy. Rien dans ce salle, hein, on est d'accord. Ok, il y a des choses là. Carreau 1, bois. Ça sert à rien. Tu peux tourner aussi le perso. Parce que je visais derrière toi en fait. Si tu veux toucher les gens. Peut être aussi un truc sympa à faire. Ya! Voilà. Ouais, j'y arrive un peu. Ça commence à me revenir. Les réflexes et tout. Du PVP du coup, PVE. Bah, surtout du PVE. Je ferai le PVP s'il en vient, mais autrement non. Je vais chercher à envahir les gens. De base, je ne suis pas vraiment un envahisseur. J'aime pas qu'on m'envahisse, donc j'assume que les gens n'aiment pas qu'on les envahisse. Et j'avais oublié ce mec avec son arc qui a été rajouté juste pour t'emmerder. Juste pour faire en sorte que cette zone-là soit un peu plus pute. Du coup, le mec, tu ne peux l'avoir qu'à distance. Mon arme est presque morte. Ah, j'ai entendu une marque. Bonjour! Ouais, mais c'est Dark Souls. Ouais, mais Dark Souls te laisse jouer comme tu veux. Donc, tu joues comme tu veux. Attends, c'est quand même un jeu où t'as le choix de faire du PVP ou non. Et pourtant, le PVP en soi est inclus avec le solo. Donc, te laisse le choix, tu choisis. Moi, j'ai choisi de ne pas vraiment me concentrer là-dessus. Je préfère clairement le PVE. Étant donné que c'est plus varié.
Parce qu'en soi, à part des mecs qui font des trucs complètement chelous, donc des builds fun, la plupart des builds en PvP c'est toujours les mêmes, hein. Même moi, mon build de base est un build assez fréquent dans le PvP, étant donné que c'est Arma 2 main. Alors, je vous achète ça, madame. Merci. Et je vous parle. Bon, elle veut plus me parler. Get good, killer. Ok. Lui, il va troller, donc je ne vais même pas l'invoquer. J'arriverai jamais à la voir. Bon. Oui, c'est vrai que dans Scholar of the First Sin, il y a limite vraiment besoin de la torche suivant quoi. Mais après, c'est comme je dis, limite. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment besoin de la torche. De toute façon, j'ai plus de torche, si. Ou pas. Où elle est la torche? Ah non, j'ai plus de torche. C'est vrai, mais si tu veux progresser dans le gameplay, le PvP ça aide vachement. Oui et non! Alors ça, Dark Souls 2 n'est pas très difficile. Les DLC par contre sont putain de hardcore. Mais le jeu lui-même n'est... Ça va. La difficulté, ce n'est pas son fort. Son fort, par contre, est clairement la variété du jeu. Autant au niveau des décors qu'au niveau des ennemis. Le deuxième était putain de varié. Ok, t'es moche. Ah, elle est toujours là? Ok, il me semblait que tu te barrais. Bref, on va s'arrêter là du coup. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.